course de sac, parcours à vélo ou encore atelier de discussion autour des émotions, les enfants de 4 à 10 ans de Koné ont pu profiter d'un après-midi Mercredi Kids. Là, tu vas chercher celui-là, tu reviens ici. Et ainsi de suite. Dans cet atelier couture, Nathalie propose la confection des protections périodiques. Et ta serviette est à l'intérieur aussi. La serviette, elle, elle va absorber et la laisse, elle, elle va faire imperméable, d'accord? Et là, cet atelier, pour les jeunes, c'est leur permettre en fait de comprendre en fait qu'on peut, à partir d'un vieux t-shirt, d'un vieux tissu, on peut réutiliser pour ne pas jeter. Et comment expliquer? D'autres, elles peuvent transmettre ensuite aux autres personnes de la famille, les cousines, les sœurs, les tantes. Un peu plus loin, une friperie solidaire est organisée par la Croix-Rouge. Non, il y a un habit gratuit et les autres, si on veut en prendre plus, c'est 100 francs. Non, c'est une activité régulière. Donc en gros, bon, Aller Vert, dont le camion est là, fait plusieurs activités. Et à l'occasion de ces activités qui sont plutôt orientées vers le social, l'aide familiale, etc., ils proposent aussi des fois une friperie solidaire. Parce que voilà, les gens ils ont plusieurs problèmes et pas que avoir trouvé une personne pour les aider. Des fois, ils ont des problèmes d'argent pour se vêtir ou autre. Et donc, du coup, on fait ça un peu aussi en plus. Ce rendez-vous des enfants a été mis en place depuis l'année dernière par le Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance de Koné. L'objectif, faire de la prévention auprès des primaires au moyen d'activités ludiques. C'est la première action depuis les événements du mois de mai. Où on peut, dans le cadre du CLSPD, où on peut vraiment relancer une dynamique avec des partenaires de prévention. Et donc on était présent dans une démarche de cohésion sociale, de faire du lien, de relancer la dynamique avec les jeunes, de partager un moment convivial. Et là, aujourd'hui, c'est la première où on a vraiment des partenaires comme la Croix-Rouge qui est là et qui a pu monter du sud parce que jusque-là, voilà, il y avait aussi des soucis pour se déplacer. Et la réalité, c'est aussi ça, c'est qu'on fait avec le contexte. Les actions du CLSPD reprennent peu à peu à Koné. Le prochain rendez-vous sera mercredi 7 août avec l'action Koné Active Jeunes pour les 11 à 18 ans.